et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons donc une invitée avec moi et si vous voulez comprendre pourquoi elle est ici, ben écoutez, n'hésitez pas à aller voir le début de la vidéo qui se trouve sur la chaîne Asma. Donc on mettra le lien donc, comme d'habitude, oui. En barre d'informations. Donc elle met, donc Hassan met mon lien et moi je mets son lien, donc celles qui me suivent iront voir sur ma vidéo, voilà. Et celles qui la suivent. Donc là on va continuer la discussion qu'on a commencé donc sur ta chaîne, voilà. Et donc nous étions en train de lire et de voir les propositions que vous nous avez faites au niveau des postés, et nous étions arrivés donc à routine organisation rentrée scolaire. D'accord. Repas, sieste, courses, etc. Mm-hmm. Alors, ah, ça c'est super intéressant. Une discussion sur le fait d'avoir des amis et de choisir de bonnes amies en islam. Ah, ça c'est vraiment très important. Ah oui, c'est la base. Franchement. Oui, c'est la base des bases. Mais certaines femmes sont méchantes et veulent du mal à d'autres. Je pense qu'un sujet sur le comportement de la femme, etc. Ça franchement, on le fera parce oui. que c'est un sujet c'est vraiment ça, très oui, important, c'est je vrai. Pense. Vraiment. Alors, est-ce que vous pouvez parler de la gestion de l'argent dans le couple qui travaille? Ça je l'ai regardé. Gestion. Ah non, ça c'est gestion de l'après-divorce. Moi, j'ai de l'après-divorce. Donc là, c'est la gestion de l'argent dans le couple, est-ce que la femme va garder son salaire dans son compte bancaire ou bien faire un compte commun avec son mari, ah, etc. Oui. C'est intéressant aussi. Ouais, j'ai des choses à dire là-dessus. Ouais, ouais. La vie après un divorce quand on a des enfants. Donc, je pense pareil, que ça moi, aussi, c'est ce que j'ai gestion de l'après-divorce quand on a des enfants. D'ailleurs, je crois que c'est pas la même personne qui nous dit la même. Donc, une femme divorcée musulmane est considérée comme finie, d'autant plus quand elle a des enfants. Donc moi je vais dire donc les sujets que j'ai quoi. Salem, je voudrais savoir comment vous avez fait accepter votre métier de youtubeuse à vos maris, comment ils prennent le temps passé sur les réseaux sociaux, le manque d'intimité parfois. Qu'est-ce que j'ai aussi ça, comment, on entretenir, sujets, ouais, hein. Comment entretenir une vie de couple après un enfant, comment être assidu dans les actes spirituels après un bébé en bas âge, donc comment être à l'heure pendant ses prières ou lire le Coran quand on a un enfant, etc. Quelle langue parler avec les enfants, moi j'ai eu plusieurs fois ça. Est-ce que vous parlez l'arabe ou d'autres langues, qu'est-ce que vous privilégiez à la maison, quelle d'accord. langue parler privilégier à la maison, c'est quoi de rapport avec la belle famille comme toi j'ai eu. En fait on a énormément de sujets et voilà, c'est pour ça que nous on aime bien les avoir comme ça, même en tas, même si c'est je sais pas combien, une centaine de commentaires, mais au moins qu'on puisse après nous avoir les sujets et les avoir à l'avance pour qu'on puisse les traiter, pas spécialement le faire professionnellement, mais pour qu'on puisse y réfléchir et puis même demander à notre entourage, par exemple si on a des copines qui ont vécu la même chose ou quelqu'un exactement. De la famille qui a vécu la même chose. Et surtout, il y a beaucoup d'idées qui se regroupent, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre ensemble, oui. Mais l'idée vraiment, le fait de filmer là maintenant ensemble, c'est justement de on préparer, hein. Finalement, on est là entre c'est copines ça, oui. Et c'est comme si tu vois là, comme, oui, comme oui. ce qu'on disait, c'est comme si on disait, j'ai un problème avec, je sais pas, mon petit qui fait pas les siestes, oui. Et on discute comme ça. C'est vrai, c'est vrai. On prépare pas, ce sera vraiment plus naturel. Ouais, non, quand je disais préparer, c'est même par exemple en parler avec les copines. Par exemple, moi, imaginons que ma soeur a des enfants, on peut lui dire, toi, comment tu gères, et au moins j'ai un autre son de cloche, tu vois. Exactement. Ok, donc voilà en tout cas pour les poster et on va commencer sans plus tarder. Donc là, cette vidéo-ci, c'est la on va dire la vidéo le lancement, voilà le relancement de la nouvelle des année. En tout cas, ça me fait plaisir d'être ouais, bah oui, avec c'est toi la rentrée pour nous aussi. Et de filmer ça. Franchement, on voulait absolument, enfin, on tenait vraiment à en faire quelques-unes ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, voilà, vous savez que je suis loin, Asma est d'autre côté aussi, donc c'est pas on évident, se voit mais pas souvent, ouais. Voilà. Mais je pense que c'est aussi plus intéressant, mais des fois, oui. on n'a pas le choix. Oui, mais bon, on continuera à vous les faire quand même, Inch'Allah. Bon, j'espère que ça durera longtemps, cette série-là. Tant que vous les demanderez, de toute façon, je sais que mais c'est bien perçu. Hein. Oui, hein. Beaucoup de filles qui sont contentes de ces sujets. Et ça fait bien un an, hein, quand même. Ouais, et qui disent que, ben, en fait, c'est bien parce qu'on fait, on donne du bien, on fait des béas en fait pour les autres femmes aussi. Donc on les aide aussi des fois dans leurs petits soucis. Et c'est vrai que bon, moi aussi, j'aurais aimé avoir peut-être des vidéos comme ça quand j'ai divorcé ou autre quoi. Voilà. Ok, donc voilà, je pense qu'on va clôturer comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc vos commentaires, plutôt vos suggestions de vidéos, donc sous cette vidéo et sous la vidéo donc d'Asma. Je répète ce que tu as dit donc dans ta vidéo, mais si vous voulez laisser quelque chose en privé que vous ne voulez pas forcément que les personnes sachent qui vous êtes, voilà, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en message privé. Vous pouvez nous envoyer un email ou nous contacter sur Instagram ou autre et voilà, nous parler de votre problème. Après, on essaie vraiment de choisir selon les priorités et de voilà de pas toujours parler que des enfants ou que du oui, couple. Oui, ou que... après ça revient redondant. Exactement, et... exactement. Il ouais. Faut être léger un peu sérieux, un peu léger, des sujets... ouais, parce que tout le temps sérieux à la fin, je pense que ça... Oui, et que ça soit pas que problématique. Aussi, oui, voilà, pas que problématique. Que les publicités ne soient pas que... Ça peut être un outfit of the day que exactement. Vous avez envie de voir sur nous, un lookbook, parler des marques chez qui on achète, voilà, nos hijabs ou nos vêtements, enfin voilà, ça peut être...
Tout et n'importe quoi, voilà. On va dire ça. Voilà, bah écoute, sur ce, on va vous laisser et on vous retrouve donc le mois prochain, premier vendredi du mois, donc pour la première, on va dire pas vraie postée, c'est une postée aussi, mais pour vraiment le premier sujet que vous nous aurez laissé en commentaire. Et n'hésitez pas à partager, liker, etc. Ouais, si partagez au max, au max, au max. Si vous aimez en tout cas ce type de vidéo. Et voilà, bah écoutez, voilà. Sur ce, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Merci d'avoir invité chez toi. De rien, écoute, tu es la bienvenue. Merci. Et moi je vous fais un gros bisou et je laisse Hasna terminer. Bye bye. Voilà.